grand-mère et colocataire. Elles ont la soixantaine fringante, leurs enfants et petits-enfants sont loin, elles sont divorcées ou ont perdu leur mari. Alors, ces quatre femmes ont décidé de partager leur quotidien. Oh, this is so nice, oh, c'est trop bon d'être là. La journée était si longue. Partager une maison à l'approche de la retraite, une solution de plus en plus commune. Comme 39 millions d'Américains, ces baby-boomers vivent au sein d'un foyer dit non conventionnel. Ces femmes n'ont ni les moyens ni le désir de vivre seules. Elles ont donc construit une sorte de deuxième famille. Je voulais être indépendante, mais certainement pas seule. Et ici, c'est un peu comme un club d'étudiantes avec des femmes qui ont les mêmes problèmes et qui se ressemblent. C'est tellement chaleureux ici, je me sens bien. La propriétaire du lieu, c'est elle. Elle accueille cette semaine une nouvelle colocataire. Sa maison compte 4 chambres. Après son divorce, il y a 5 ans, elle n'avait plus les moyens de rembourser son emprunt. J'avais le choix entre vendre la maison ou trouver un moyen de la garder. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des colocataires. Cette propriétaire demande de 500 à 600 euros à ses 3 colocataires, un montant en fonction de la taille de chaque chambre. Gloria n'a pas cotisé à un fonds de retraite privé. Elle n'a donc pour vivre que sa retraite publique, celle versée par l'État. Ça ne suffit pas à maintenir le train de vie auquel j'étais habituée. Ici, au moins, je m'en sors. L'occupante de la chambre voisine cherche surtout à éviter une certaine solitude. Maintenant que mes enfants sont grands, j'aime le calme. Mais en même temps, je redoute que ce soit trop silencieux. Ce sont un peu des Golden Girls, exactement comme dans le mythique feuilleton américain des années 80, 3 retraitées facétieuses et partageant le même toit. Golden Girls, c'est d'ailleurs le nom du site internet créé par notre propriétaire. Il met en relation des retraités qui souhaitent vivre en colocation. Une 10aine de sites proposent aujourd'hui ce service aux États-Unis.